Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pack opening pour la sortie de Humber, le 40e brawler légendaire. Voilà, pour le 40e, ils nous ont mis un petit légendaire, donc on va essayer de se choper ça aujourd'hui. Enfin, le but, c'est d'avoir le brawler, de le jouer, de faire un petit live. D'ailleurs, le live arrive directement après la vidéo, comme d'habitude. Donc, avant toute chose, je vais quand même checker mon taux de légendaire. Donc, il se trouve à 0,5775, ce qui est plutôt raisonnable. Donc, voilà, on va ouvrir des boîtes et on va espérer choper ça rapidement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez une stratégie pour ouvrir vos boîtes. Est-ce que vous faites d'abord les petites, ensuite les grosses, ensuite les méga? Ou si vous ouvrez tout n'importe comment, ou dans l'ordre, ou quoi que ce soit. Enfin, c'est intéressant à savoir. Donc, on va prendre les petits pins. Voilà, le petit screen pour Instagram. L'Instagram elkangri-du-bas-bs. Je vais vous l'afficher. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les amis, je poste assez souvent. Donc, on va essayer de choper le brawler. Hein. On ouvre déjà quelques boîtes. On commence. Donc, là, j'ouvre les grosses boîtes, des petites boîtes, un peu de tout. Et le gadget de Bull. Donc Bull peut interrompre la charge lancée avec son super et ralentir tous les ennemis avoisinants en tapant des pieds pendant 1,5 secondes. J'en ai aucune idée de ce que ça va faire. Alors pour la petite anecdote les amis, je savais pas qu'il y avait deux nouveaux gadgets au moment où j'ai fait le pack opening. Hop, attendez, bah nouveau gadget de Max. Donc Max revient en arrière à l'endroit de son choix après un délai de 4 secondes et se remet des dégâts qu'elle a subis entre temps. Ça a l'air assez cheaté. Donc pour l'histoire, je savais pas qu'il y avait deux nouveaux gadgets. Et quand j'ai vu que ça avait clignoté à l'endroit de Bull, je pensais que j'avais déjà eu le brawler, j'étais assez content. Mais c'était de faux espoirs. Donc voilà, là je vous mets en accéléré parce que ça sert à rien de me voir ouvrir un paquet de boîtes sans rien avoir. Donc on arrive. Donc la grosse boîte du palier 59 et le fameux brawler qui est là, Ambre le légendaire, qui vient compléter la série. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Hein. Après Spike, Léon, Korbach et Emery, notre cinquième légendaire, Ambre qui est là, qui a l'air assez cheaté. Là, je vous passe assez rapidement le moment où je mets tous les points de pouvoir. Voilà, on passe ça pouvoir 9 directement. On récupère tant de petites pièces parce qu'il y avait plus de points de pouvoir que ce dont j'avais besoin. Donc voilà, maintenant qu'on est pouvoir 9, le but c'est d'essayer de choper le Star Power et le gadget. On arrive déjà sur le gadget, donc Ambre sprint pendant 3 secondes en répandant son liquide inflammable qu'elle peut ensuite embraser. J'ai pas trop compris encore le brawler, son outil, tout ça, donc j'arrive pas trop à me situer avec ce gadget, donc bon, on verra bien ça en partie. Hein. Donc là, on essaye de choper le Star Power. J'ouvre quand même encore pas mal de grosses boîtes, méga boîtes. À la fin, il m'en reste 4 et il n'y a toujours rien. C'est pas grave, les amis. On a quand même eu le brawler ainsi que le gadget. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de commentaires, liker la vidéo, me dire si vous avez eu le brawler. Et je vous retrouve de suite directement pour un live. Allez, à plus tout le monde!